Welcome, everyone. We are very excited and happy to have you join our seventh Morocco AI webinar of this AI webinar series. A brief intro about Morocco AI and who we are. Morocco AI is an initiative led by AI experts in Morocco and abroad. These experts are professors, researchers, and AI professionals. The mission of Morocco AI is to promote AI growth in Morocco and build a strong collaborative AI community, both locally and abroad. We seek to foster excellence in AI education, research, and encourage the innovative spirit. From this perspective, we have launched different activities such as AI webinar series that aims to bring Moroccan AI researchers to present and share their work with the community. AI O'Clock podcasts and study groups that will be released this week by Sunday. Join our Slack to know more. Last but not least, Journal Reading Club. Join our Slack to know more. For today's webinar, Ihsan and I will be your hosts. I will let Ihsan introduce herself. Thank you, Iman, and welcome everyone. Thank you for joining us today. And my name is Ihsan Griech. I'm a PhD candidate in data science, and I'm happy to co-host this webinar with Iman today. So enjoy the webinar. Thank you, Ihsan. And I am Iman Khouja, PhD student at Mohammed V University and the International University of Rabat, working on applied NLP. This week, we have exciting news that you have probably already seen on social media. We are organizing our first Morocco AI conference on bridging the gap between research and industry. This conference will be fully virtual, free, and will take place in 21st to 23rd December. We will be hosting great keynote speakers, panels, hands-on workshops, data challenges, and many more. Don't hesitate to join us and submit your papers on mainstream AI topics. Visit our website for more information. And also don't forget to follow us on LinkedIn, Twitter, and Facebook, and join us on Slack to be notified about our upcoming webinars and other activities. Our last webinar tackled deep learning for bone age detection, advice on applying AI in healthcare. If you have not watched it yet, please find the link in our website. Today's webinar is on Vision Transformer, a new way of approaching computer vision tasks, presented by Professor Hisham Hizji. Professor Hizji is an associate professor at Liave Institute, a member of Databricks University Alliance, and the special big data ML expert. Professor Hizji has been involved in more than 20 technical and research projects. He was recently awarded the Water Innovation Fellowship from USAID and the Azure for Research Award for ML from Microsoft. The talk will be in French. If you prefer so, please let us know in the post-webinar survey. And please be sure to stick around for our networking session right after the presentation, where we will break out in smaller rooms, so you get to meet and talk with some of the attendees. The presentation will last for approximately 40 minutes, followed by 10 minutes Q&A. And without further ado, Professor Hizji, please feel free to start when ready. Thank you. I would like to thank Morocco AI for the invitation and for organizing such an interesting conference and webinar to promote AI in Morocco. So I'll start to share my screen. You tell me if it is okay for on your side. Yes, we can see your screen. Okay, thank you. So I will switch in French to for the rest of my presentation. Donc, comme ce qui a été présenté, donc, je m'appelle Haji Hisham, je suis professeur à Liave Hassan II, et ça fait vraiment très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur l'utilisation des transformers dans le computer vision. Et je remercie Morocco AI pour leur invitation, parce que la dernière fois où j'étais invité, c'était il y a, je pense, 2 ans, 3 ans, pour donner un tutoriel sur l'interprétabilité des réseaux de neurones. Et justement, ça a été pour les réseaux de neurones de convolution. Donc, c'était toujours dans le computer vision. Et ce qui est un peu bizarre par rapport à ce qui était auparavant, c'est-à-dire il y a 2 ans ou 3 ans,
qui disait Computer Vision, le deep learning dans Computer Vision, c'était principalement l'utilisation des réseaux de convolution. Donc, il y avait l'opérateur de convolution qui était très prédominant dans toutes les architectures qui étaient depuis l'arrivée du deep learning dans sa grande splendeur, on va dire, depuis le VGG, ResNet, etc. Donc, ce sont des réseaux de neurones qui étaient à forte composante de convolution, c'est-à-dire pour extraire des features à partir des images, on utilisait l'opérateur de convolution. Mais en même temps, lorsqu'on faisait les IndavaX, il y avait les choses commençaient à bouger du côté du NLP, du Natural Language Processing. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de changer vraiment le visage du deep learning. Alors, ça commençait par le mécanisme de l'attention, comment essayer de l'intégrer plus ou moins à gauche et à droite dans les différentes architectures. Donc, ça commençait par le RNS, puis le LSTM, et voilà. Et après, le fameux papier qui était arrivé en 2017, oui, c'est ça. Donc, finalement, on a réussi même à remplacer tout ce qui est le caractère récurrent qui était vraiment indispensable également pour traiter les séquences, dans le cas du RNN et du LSTM, et on l'a remplacé avec le fameux transformer. Alors, on attendait, est-ce que c'était possible de le faire également pour la partie image, pour le traitement d'image et le computer vision, pour toutes différentes catégories de classes. Donc, ça allait de la simple classification jusqu'à la détection d'objets, jusqu'à la segmentation sémantique. Et finalement, il y a eu quelques essais, donc en utilisant le transformer, mais en l'accompagnant toujours avec des opérateurs de convolution. Donc, ça n'a pas été vraiment très facile de faire la totalité des opérations de computer vision uniquement avec le transformer. Ben, finalement, c'était uniquement cette année, en 2021. Bon, l'article était apparu en print en 2020, fin 2020, mais l'article il a été réellement adopté en 2021. C'est pour la première fois qu'on arrive à faire de la tâche de classification d'images uniquement en utilisant je ne sais pas si on peut le dire, l'opérateur transformer, mais avec le mécanisme de transformer. Donc, l'objectif de cette séance-là, c'était, d'après discussion avec l'équipe, le team de Morocco AI, c'est essayer justement de un peu vulgariser cette notion de vision transformer. C'est une nouvelle approche d'apercevoir les tâches de computer vision en utilisant principalement ce qui est derrière le transformer, c'est principalement le self-attention. Donc, on va essayer de faire un petit peu de didactique sur cette partie-là, comment le vision transformer il a pu réaliser ce que faisaient les réseaux de convolution, parce que les réseaux de convolution, c'était vraiment le state of the art de toutes les approches, les tasks de computer vision. Et on va voir à travers un autre papier qui était, c'était juste il y a un mois, et qui a fait vraiment parler beaucoup de lui, c'est How VIT, alors VIT c'est Vision Transformer, sees like a convolutional network. Donc, il y avait vraiment un travail de fond qui a été réalisé il y a un mois. C'est toujours de la même équipe de Google Brain pour essayer de montrer qu'est-ce qui fait de ce mécanisme de vision transformant, qu'est-ce qui nous permet de vraiment de concurrencer les CNN et parfois même les surpasser et donner de meilleurs résultats que les fameux CNN. Donc, voilà, donc c'est le cadre de cette partie-là. Donc, on va essayer de démarrer. Alors, si on pose, alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais remarqué aujourd'hui. C'était hier, on est le 15, c'était le 14. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le Hugging Face. C'est vraiment un endroit qui est très intéressant pour apprendre tout ce qui se passe dans le deep learning, le AI, etc. Donc, il y a beaucoup de modèles qui sont vraiment prêts à être mis en production. Alors, qu'est-ce qu'il y a en commun? Donc, ils sont posés dans le ticket d'hier, c'était qu'est-ce qu'il y était en commun entre Tesla, Google, Microsoft et Facebook? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? À part le fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ça c'est vrai, mais ils utilisent, ou bien ils exécutent des milliards de modèles de prédiction utilisant les transformers chaque jour. Alors, sur le côté de Tesla, donc, c'est l'autopilot qui utilise le transformer. Gmail, pour vous donner des suggestions lorsque vous êtes en train de rédiger, utilise le transformer derrière. Facebook, pour la traduction de vos posts, utilise le transformer. Bing,
pour répondre à vos requêtes en langage naturel, également ils utilisent le transformer. Donc finalement, le transformer, il est en train de is eating world, comme on dit, ou bien il est en train vraiment d'occuper toute la place dans le domaine de AI, que ce soit dans le NLP, que ce soit dans les traductions, que ce soit dans la recherche même d'informations. Et là, également, il est en train de prendre une place vraiment très importante pour la computer vision. Alors, c'est vrai, les gens, alors je ne sais pas pour le moment, peut-être il va y avoir des questions qui vont se poser. Est-ce que vraiment il va se transformer en combinaison avec la vision, est-ce qu'il va vraiment remplacer l'opérateur de convolution? Donc, c'est vrai, il y a eu un engouement à travers cette année de tout le monde. Il va se dire, voilà, donc c'est très cool, on va peut-être oublier les ConvNet, les CNN, bye-bye convolution. Voilà, donc finalement, c'est fini d'utiliser le ResNet, le DenseNet, le BGGNet. Il y a vraiment des choses intéressantes qui sont présentes là actuellement, donc, que ce soit dans le domaine de la recherche et même dans le domaine des applications, mais je pense qu'il faudra vraiment être assez prudent là-dessus. Il n'y a rien qui remplace rien, parce que justement, même, il y a vraiment une certaine effervescence qui commence à se montrer dernièrement. Et d'ailleurs, même pour le transformer, je ne sais pas si j'aurai le temps un peu de détailler par la suite, il y a même une dernière architecture, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, qui est le MLP Mixer, c'est-à-dire qu'on va peut-être même utiliser uniquement une certaine combinaison plus ou moins intelligente du MLP pour faire que de la vision. Ça, c'est vraiment, ça change par rapport à tous les acquis qu'on a eus ces 10 dernières années en deep learning et notamment en campus vision. Voilà, c'est peut-être une nouvelle voie. Il y a pas mal d'adoption par rapport à ce transformer vision, donc pas mal d'applications, et c'est pour ça que je vous demande vraiment de voir, notamment du côté de Hugging Face, il y a pas mal de choses optimisées et qui résolvent des problèmes lorsqu'on essaie de mettre en production des modèles qui sont déjà prêts. Alors, comme j'ai dit, l'approche après discussion avec les organisateurs, donc ça va être principalement un travail de vulgarisation de cette toute récente notion. Donc, puisque c'est Vision Transformer, et donc il y a beaucoup de composantes de Transformer, donc c'est pour ça que j'ai réservé la première partie pour faire un rappel pour les gens, parce que derrière Transformer, il y a le mécanisme d'attention, il y a le mécanisme de self-attention, et il y a le Transformer en lui-même. Donc je vais essayer de faire un petit aperçu rapide, sans rentrer trop dans le détail, mais c'est juste pour vous donner, ou bien pour rafraîchir la mémoire pour les gens qui connaissent déjà, et qui ont oublié, ou bien pour les gens qui vont découvrir pour la première fois, je vais essayer de leur donner l'essentiel de ces composantes-là. Après, on va voir comment le VIT, il a été, ou bien le Vision Transformer, comment il a été créé, comment il a été conçu, notamment comment il consomme la donnée image, comment il la prépare avant de la lancer vers le transformer, qui va faire le même travail qu'il fait dans le NLP ou bien dans d'autres types. Et après, donc je terminerai avec quelques remarques et pistes d'interprétabilité. Et là, je fais juste référence par rapport à l'article aux travaux de recherche de Google qui ont été juste cette année, ce mois-ci, qui vient de sortir une comparaison entre les réseaux de neurones et réseaux de convolution avec les réseaux VRT. Voilà, donc on démarre. Donc le mécanisme d'attention, comme vous connaissez, donc c'est quelque chose qui a été très intéressant à travers les 5, 6, 7 dernières années et qu'on a essayé et qu'on connaît déjà dans la réalité finalement. Donc on a toujours, dans une séance de cours, on a toujours entendu du prof: faites attention à ce chapitre, faites attention à ce concept. Et donc, c'est ce qui, en quelque sorte, c'est ce qu'on va nous demander souvent de se concentrer sur une partie importante d'un paysage. Donc, ça peut être une image, ça peut être un texte, ça peut être une phrase, ça peut être une traduction, etc. Donc, le mécanisme d'attention, c'est quelque chose de naturel qu'on retrouve dans la réalité. Et c'est quelque chose qui a été récupéré dans le monde de deep learning. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le mécanisme de tension. Et vous savez très bien, ça c'est une description qui est vraiment générale, mais pour pouvoir la réutiliser dans le computer vision, j'ai essayé, puisque les deux dernières semaines, il y avait un problème, il y avait un engouement par rapport à Messi, Pascal de Messi à PSG. Donc, si par exemple on demande quel est le numéro de Messi, tout le monde ne va pas chercher la réponse dans toutes les parties de l'image qui sont là. Donc, il va plutôt la chercher
ici. Donc, il va vraiment se concentrer sur la partie chiffres. Et voilà, donc là, il va y avoir ce qu'on appelle le higher attention à ce niveau-là. Et puis, tout le reste de l'image, il va y avoir moins d'attention. Donc, c'est en quelque sorte comme ça que l'être humain, il arrive à se concentrer, à utiliser le mécanisme d'attention pour répondre à certaines questions. Pour répondre à certaines questions. Juste cacher celle. Voilà. Voilà, donc le mécanisme, donc ça c'est de manière descriptive, mais finalement lorsqu'on va utiliser ça dans A1 et dans Deep Learning, le mécanisme d'attention pourrait nous aider à déterminer quelle région I, donc c'est toujours des vecteurs, donc quelles sont les régions de cette image-là, donc chaque région va être représentée par un vecteur, et qui sont les plus pertinentes par rapport à la requête qu'on s'est posée, et cette requête est toujours en vecteur, donc c'est... Donc, durant tout ce qu'on va faire par la suite, donc ça va être principalement, on représente l'information en format vecteur. Donc, reste à savoir comment on va transformer à la fois la requête en vecteur et comment on transforme les différentes régions de l'image en vecteur. Et après, on va les croiser pour chercher quelles sont les régions qui sont les plus pertinentes entre la région et la requête. Voilà. En général, on distingue entre les différentes approches d'attention et les fonctions, le calcul de score d'attention. Alors, pour les approches d'attention, il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés en se basant soit est-ce que je calcule l'attention à partir des inputs, donc à ce moment-là, ça va être self-attention qui est là. Est-ce que je vais calculer l'attention entre le input et le output, ça va être cross-attention. Est-ce que c'est l'approche basée sur le query-key interaction? Donc, à ce moment-là, comment je vais calculer ce score d'attention qui va être ici, par exemple? Est-ce que je vais faire juste un dot product entre différents vecteurs, un produit scalaire, ou bien je vais faire de calcul additif entre les différents facteurs? Est-ce que c'est en se basant sur le target vector calculation? Est-ce que c'est soft-hard? Est-ce que c'est multi-headed attention? Est-ce que je vais chercher à calculer dans un seul espace l'attention, ou bien sur plusieurs espaces. On va voir ça par la suite. Est-ce que le graph attention? Donc, finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été développées dans la partie attention, les approches d'attention, et c'est vraiment c'est un domaine qui est assez vaste. Alors, je vais retenir uniquement pour les fonctions du score d'attention ces deux-là, le dot product attention et l'additive attention. Il y en a plusieurs, à ma connaissance, il y a presque une dizaine, qui vont nous permettre de calculer le score d'attention entre différents vecteurs. Mais ce qui nous intéresse dans le cas de Vision Transformer, c'est principalement celui-là qui nous intéresse, le dot product. C'est celui qui a été utilisé par les auteurs de Google pour proposer le VIT. Alors, en deux mots, sans rentrer trop dans le détail, le dot product attention, c'est quoi? C'est juste donc on retrouve finalement la géométrie qu'on avait connue dans les premières années après bac. Donc, c'est le produit scalaire normalement entre deux géométries, on peut le considérer comme une similarité cosinus, voilà, qui est calculée. Donc, il suffit juste de calculer le cosinus entre deux vecteurs, et quand le cosinus il est trop petit, c'est-à-dire que les deux vecteurs ils sont similaires, quand ils sont pas, quand le cosinus il est grand, donc ça veut dire que les deux vecteurs A et B ils sont pas similaires. Alors, la première fois qu'il a été proposer cette approche de calcul d'attention, c'est dans ce papier, Effective Approach to Attention-Based Neural Machine Translation. Voilà, et le score, le alpha I, c'est ça le score d'attention qu'on va essayer toujours de chercher lorsqu'on va essayer d'appliquer le mécanisme d'attention en deep learning, c'est le fameux score entre deux vecteurs I et J, donc position I et J, donc c'est le produit entre la requête à la position I et la région ou bien le K à la partie J. Donc, je ne rentre pas trop dans le détail parce que ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais c'est juste un rappel. Alors, là, c'est pour le calcul d'attention. Sauf que, à partir de 2019, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, il y a eu le fameux Attention is all you need. Donc, c'est le fameux papier qui a proposé pour la première fois l'approche transformer. Et là, il repose principalement sur un mécanisme qui est le self-attention. Le self-attention, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que je vais appliquer le mécanisme d'attention uniquement sur les inputs. Donc, je ne vais pas regarder ce qui se passe dans les outputs dans mon modèle. Donc, d'abord, avant de lancer
les représentations de mes inputs dans le calcul à l'intérieur du transformer. Donc, je vais essayer d'abord de regarder ce qu'il y a possibilité d'améliorer cette représentation. Parce que la plupart du temps, quand je vais commencer à partir d'un monde, d'un world, donc je vais le transformer en une représentation dans un embedding, dans une représentation. La plupart du temps, on a déjà des embeddings, des techniques d'embedding qui sont déjà prêtes à être utilisées, comme pour les mots, il y a word to fact. Mais ce qu'on remarque, ce sont des techniques qui sont rigides, c'est-à-dire pour chaque mot, il va y avoir un seul vecteur d'embedding. Alors, le rôle du self-attention, c'est quoi? C'est essayer justement de créer des représentations pour chaque input dans l'entrée en tenant compte de sa contextualisation par rapport aux autres inputs qui existent dans la séquence d'entrée. Donc, c'est ça le rôle de self-attention. C'est essayer de créer des représentations contextuelles. C'est-à-dire, quand je vais avoir le mot, je vais créer son vecteur, mais je vais le créer, c'est-à-dire le vecteur qui va représenter mon mot d'entrée, il va tenir compte des autres informations qui existent dans les autres tokens des différentes tokens de ma séquence d'entrée. Donc, c'est ça le principe de base pour le self-attention. Donc, en quelque sorte, le self-attention va nous permettre aux entrées d'interagir entre elles. Donc, il va y avoir le premier mot qui va interagir avec les autres mots, le troisième mot qui va interagir avec les autres. Et on va essayer de découvrir comment chaque mot peut prêter plus d'attention par rapport au troisième mot, par rapport au cinquième mot, sixième, etc. Et comme ça, on crée des représentations qui sont contextuelles. Et c'est ça ce qui est derrière. Et c'est ça finalement qui donne le plus d'importance par rapport à ce self-attention, c'est-à-dire qu'on va créer des représentations contextuelles des token inputs. Alors ça c'est dans la littérature. Alors dans la réalité, comment ça se passe? On prend chaque élément, ça peut être un mot, ça peut être une image, ou bien une partie de l'image, une partie de n'importe quoi. Je vais la transformer en vecteur et puis je vais la décliner en trois types de vecteurs. Alors, le premier vecteur, c'est la requête. Le deuxième vecteur, c'est la clé. Et le troisième vecteur, c'est value. Alors, pourquoi on a eu ces trois types de déclinaisons? Donc, c'est ça l'approche majeure qui a été proposée dans ce travail de transformer. Alors, ils se sont inspirés principalement des bases de données, de la recherche d'informations. Parce que si on prend, par exemple, YouTube ou bien Archive, toutes les informations sont structurées en clé-valeur. La clé, c'est le titre et le résumé, par exemple, pour l'article, et la valeur, c'est l'article en lui-même. Dans YouTube, par exemple, on a le titre, le keyframe, la description, qui représente, c'est un triplet, je peux ajouter autre chose, tout ce qui s'affiche comme clé par rapport à la vidéo, et la valeur, c'est la vidéo en elle-même. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? On va considérer que pour chaque input qui est là, on va le décliner en trois éléments. Si vous voulez, on peut rappeler le key et value qui sont là, qui nous rappellent ce qui arrive dans l'information retrieval. Et puis, on va rajouter la query, c'est-à-dire on va dire, bah tiens, pour ce X1, pour cet élément-là de mon input, on va essayer de calculer les scores d'attention de cet élément-là en fonction des tous autres éléments de mon input, donc par rapport à X2, par rapport à X3. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle le dot product, donc c'est le fameux score d'attention qu'on a montré tout à l'heure. Donc, il va y avoir un calcul entre... Alors, ça va toujours de Q1, par exemple, pour calculer par rapport à celui-là. Donc, on va calculer Q1 avec le Q2, Q1 avec le Q3, ça va me donner le alpha 1, 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Et après, il va y avoir d'autres types d'informations. On va concaténer ça avec la valeur. Et puis, on va arriver à, pour chaque X1, pour chaque élément de mon input, je vais avoir un vecteur qui contient une contextualisation et un embedding qui tient compte de la totalité des autres informations que j'ai dans mon input. Normalement, c'est plus ou moins un peu compliqué ou simple. Ça demande beaucoup de temps pour mieux expliquer, mais j'espère à travers cette déclinaison de mes tokens d'input en query, key and value, normalement, c'est ça le cœur de self-attention. C'est ce qui va me permettre à la fin, lorsque j'exécute
seul module de self-attention par rapport à mes informations d'entrée. Je vais avoir pour le X1 une représentation, c'est-à-dire un vecteur d'embedding qui tient compte de la totalité du X2 et X3. Je vais avoir pour le X2 ici un autre vecteur qui prend en charge également la contextualisation en fonction des autres informations, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est ce qui a donné vraiment la puissance par rapport de self-attention par rapport au reste des mécaniques. Autre chose qui a été importante, c'est ce qu'on a, vous avez peut-être déjà entendu le terme multi-head attention, c'est-à-dire au lieu d'utiliser le self-attention uniquement dans un seul espace, ben, il se peut que lorsque je fais ce calcul-là, il va se concentrer uniquement sur un sens, pour représenter. Parce qu'en principe, le contexte il peut être multifacette. Par exemple, s'il s'agit d'une image, j'ai peut-être ma première tête d'attention qui est là. Il va peut-être se concentrer uniquement sur la présence ou pas d'une arête, voilà, the edge. Donc, ça peut être de vertical, horizontal. Pour les textes, il va y avoir plusieurs sens pour le même mot. Donc, peut-être chaque tête d'attention il va se concentrer sur un sens. Donc, pour éviter qu'on se concentre uniquement sur un sens et éviter les autres sens qui peuvent surgir de la séquence d'entrée, on a proposé également le multi-head attention. Donc, on fait le même calcul, mais avec des initialisations qui sont différentes. Et à la fin, on concatène le résultat pour avoir un seul vecteur qui contextualise à la fois la séquence d'entrée et les différents espaces de têtes d'attention. Donc, ça, c'est le rôle de multi-head attention. Et puis, le transformer, c'est ni plus ni moins le multi-head attention qui est là, qu'on a amélioré, qu'on a complété avec une certaine brique qu'on retrouve finalement dans les différentes architectures qu'on retrouve en deep learning. Donc, ça peut être des connexions résiduelles. Là, par exemple, entre l'input, on rajoute des connexions résiduelles ici. On rajoute des feed-forward qui sont là, des couches de normalisation qui sont là et là. Alors, on connaît bien pourquoi on rajoute les connexions résiduelles. C'est principalement pour permettre au gradient de traverser directement les réseaux pour éviter le problème de vanishing gradient. La normalisation également est utilisée pour stabiliser le réseau et pour réduire considérablement le temps d'apprentissage nécessaire. Et la couche feed forward, c'est pour donner une représentation beaucoup plus riche du vecteur qui va être ici. Ce qui était vraiment rajouté par rapport à ça, c'est principalement la position. Donc, on encode également la position. Pourquoi ? Parce que la séquence d'entrée, les éléments de la séquence d'entrée interviennent au niveau de tête d'attention, mais ils perdent toute notion de position. Donc, on rajoute le position encoding pour rajouter cette information sur la position. Je vais essayer de rentrer plus en détail lorsqu'il va s'agir du VIT. Et puis, voilà. Et puis, il va y avoir ce bloc-là. On va le répéter N fois. Donc, il va y avoir un empilement de couches et avec un rajout de position encoding et un codonnage de position. Voilà. Donc, je m'excuse. Le rôle de cette présentation, ce n'est pas de donner plus de détails sur le transformer et self-attention, mais là, c'est juste un petit rappel par rapport à ce qui existait auparavant. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de success stories pour le transformant. Donc, tout le monde connaît principalement les BERT, les GPT-3, les SwitchC. Et maintenant, on peut même dire, c'est considéré par la communauté, que ce sont des modèles et des approches qui sont de facto pour les NLP. C'est-à-dire que si on veut essayer de faire le NLP, c'est tout le monde maintenant, ils essaient de transformer, d'utiliser les transformers pour des tâches de NLP. OK, donc là, je termine avec cette partie-là de rappel, et puis je vais passer directement vers le computer vision. Alors, comment utiliser le transformer dans computer vision? Donc, quand vous avez remarqué, parce que le gros dans le transformer, c'est quoi? C'est cette partie-là, c'est-à-dire je dois faire rentrer les informations dans mon transformer, mon bloc de transformer, et je vais les mettre sous forme de query k and value. C'est ça les trois trucs qui sont là. Ce qui veut dire, au départ, normalement, on a une image, mais le transformant, il attend de nous une séquence.
séquence de quelque chose, un ensemble. Parfois, on n'a même pas le droit de dire séquence parce que dans la séquence, il y a un ordre. On l'a déjà vu peut-être dans le transformer, comme quoi la notion d'ordre, elle n'est pas vraiment encodée en dur à l'intérieur. Donc, il faudra qu'on fasse éclater l'image vers un ensemble de quelque chose. Et on va voir comment les gens ils ont proposé ça. Et en contrepartie, on rappelle comment la computer vision il a été jusqu'à maintenant. Alors, jusqu'à maintenant, l'attention, on va trouver pas mal d'architectures qui utilisent l'attention dans les réseaux de convolution CNN. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est tout nouveau. Mais on peut même parfois les trouver qui sont utilisés avec les convolutions, avec les transformers. Mais ce qu'il faudra retenir pour les réseaux de convolution, c'est qu'en fait, ils utilisent, ou bien ils reposent sur deux hypothèses, ce qu'on appelle le inductive bias, c'est le biais cognitif. Alors, ça veut dire quoi, les inductive bias qui sont relatifs, c'est-à-dire des hypothèses qui sont prises au départ lorsqu'on essaie d'entraîner des images avec les réseaux CNN. Alors, la première hypothèse, c'est que les pixels qui sont proches les uns par rapport aux autres, ils sont liés. Donc, c'est la localité. Donc, la valeur d'un pixel, elle est liée par rapport aux pixels qui sont proches. Donc, ça, c'est une hypothèse qu'on prend en considération lorsqu'on lance le réseau de CNN. Et deuxième chose, les différentes parties d'une image doivent être traitées de manière identique, quel que soit leur emplacement. Alors, c'est le fameux weight sharing, c'est le partage de poids. Et si vous vous rappelez, pour les gens qui ont utilisé les CNN, donc finalement, j'ai une matrice de poids pour le filtre, et le filtre, en principe, il va parcourir, qui contient des poids, et ce même filtre, il va s'appliquer sur tous les pixels de l'image. Donc finalement, on ne va pas adapter le filtre par rapport à la position de l'image. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre un filtre uniquement pour la partie gauche, un filtre pour la partie différent par rapport à la partie de centre, un filtre par rapport à la partie de droite, etc. Non, dans CNN, c'est le même filtre qui va s'appliquer de manière identique par rapport à l'ensemble de l'image. Donc, ce sont finalement des hypothèses qu'on ne va pas retrouver malheureusement dans Transformer, parce que dans Transformer, chaque partie, il va, pour calculer l'information à l'intérieur d'une partie de l'image, ça peut être un pixel comme ça peut être un ensemble de pixels. En fait, pour le calculer, on doit prendre en considération toutes les informations qui existent à l'extérieur de cette partie-là. Donc, finalement, ce weight sharing, ce n'est pas possible de faire. Et en plus, ces deux biais inductive bias, normalement, ils nous ont permis d'avoir la puissante équivariance spatiale. C'est-à-dire, mon image, si je la mets inclinée ou avec un effet de scaling, normalement, le réseau de convolution va me donner la classification qui est la même, quelle que soit la position de l'image. Est-ce qu'elle est inversée? Est-ce qu'elle est zoomée ou pas? Est-ce qu'elle est à gauche, à droite, etc.? Le CNN, il est en capacité de prédire exactement qu'est-ce qui existe à l'intérieur de l'image. Dans Transformer, malheureusement, on n'a pas ces biais inductifs. Et on va voir comment il arrive à se rattraper par rapport au CNN, même en n'ayant pas ces deux hypothèses de travail au départ. Alors, comme j'ai dit au départ, le Transformer, c'est la première fois en 2021, c'est la première fois en 2021 qu'on a eu à utiliser le Transformer, le pur Transformer, c'est-à-dire qu'on a utilisé uniquement le Transformer pour calculer, pour prédire la classification des images. Alors, c'est la solution Google. Bon, pourquoi? Parce que c'est les gens de Google Brain qui l'ont présenté. Le fameux papier, c'est « Image is worth 16 times 16 words ». Et on va voir comme quoi ils font ici une référence par rapport au NLP. Pourquoi? Parce que finalement, ce qui va me permettre d'utiliser le transformer qui marchait déjà très bien pour les séquences de texte. Et le texte, c'est un ensemble de words, c'est un ensemble de mots. Donc, finalement, l'approche qui a été proposée par Google, c'est essayer justement de transcrire l'image en plusieurs, entre parenthèses, words, plusieurs parties, et qui sont de size, de taille, 16 x 16 pixels.
Okay. Donc, c'est ça finalement. Donc, un transformateur qui est pur appliqué directement en séquence de patch. Alors, ça, on appelle ça un patch. C'est-à-dire, voilà. Donc, une partie de l'image, on l'appelle un patch. C'est le terme qui est utilisé là. Et on va retrouver pourquoi le transformer, c'est exactement le même qui a été utilisé pour le NLP. C'est le même. Et heureusement, il donne de meilleurs résultats. Alors, ce que je vais essayer de présenter là, c'est de vous décrire plus facilement quelles sont les étapes qui ont été proposées pour créer ce VIT. Donc, les étapes du VIT, finalement, ils sont composées de trois grandes étapes. La première, c'est comment je passe d'une image vers quelque chose qui va être l'entrée de mon transformer. Et puis, le passage de transformer, ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Une fois que j'aurai les vecteurs qui représentent les patches d'image, donc ils vont être intégrés au niveau des transformers. Et une fois à la sortie du transformer, qui va me donner des vecteurs contextuels des différents patches, donc là, il y aura une tâche de classification. C'est ce qui a été proposé dans ce travail-là, c'est uniquement la tâche de classification. Il y aura d'autres papiers qui ont été proposés pour d'autres types de tasks en Computer Vision, mais on va principalement se focaliser sur les tâches de classification. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il fait donc, dans ces étapes-là? On prend l'image, la fameuse image de Messi qu'on a vue tout à l'heure au départ. Donc on va créer ce qu'on appelle un ensemble de patchs. Donc on va essayer 16 × 16, donc 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 × 16 ×
les patchs, je peux les échanger. Peut-être celui-là, il va prendre cette position, l'autre, il va prendre cette position. Et du coup, je vais perdre la notion. Je vais perdre la notion de la position. Le modèle n'a aucune idée de la position des patchs de la séquence. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'apprendre les positions des différents patchs. Et pourquoi ? Pour éviter également, justement, qu'une image qui est comme ça, dans laquelle on a un peu inversé l'ordre, le modèle, quand il va être entraîné, il va détecter qu'on voit cette image-là, elle n'est pas la même que celle-ci. Alors, si on ne prend pas en considération la position embedding, le modèle, il aurait dû me donner que cette image-là, elle est la même que celle-ci. Et c'est ce qu'on doit éviter. Donc, c'est pour ça que cette notion de position, on va essayer également de l'apprendre dans le modèle. Donc, c'est pour ça le fameux vecteur qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a calculé, une fois qu'on a aplati, qu'on a fait la linear projection, on lui rajoute un autre vecteur de position qui est également lui-même, qui est apprenable. Donc, qui est apprenable, qui est learnable, c'est-à-dire qu'on va essayer également de détecter, d'apprendre et de présenter à l'intérieur. Alors, ils ont utilisé plusieurs approches de position embedding, parce que c'est également, quand on regarde à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui ont été proposées, mais ce qu'ils ont proposé, c'est principalement une position embedding en utilisant le sin et le cos de la position, par exemple ici. Est-ce qu'elle est paire ou impair? Donc, si ce qu'elle est paire, donc ça va être la position divisée par 10 000 de i. Le i, c'est la position dans le vecteur. Par exemple, ici, c'est i égale à 1, i égale à 2, i égale à 3, i égale à 4, divisé par le d du modèle. Le d du modèle, c'est... donc, il va y avoir un vecteur qui va passer d'une étape vers une autre, mais il va avoir toujours le même size. Le même size. Donc, on va voir que la plupart du temps, ils vont parler de 768. Mais ils ont testé trois size models. C'est de la même manière que ce qui a été appliqué pour les NLP. Donc, je ne vais pas trop rentrer, mais c'était juste pour montrer que l'encodage de la position, ça reste quelque chose de très important lorsqu'il s'agit du transformer. Pourquoi ? Parce que finalement, ce n'est pas comme le RNN où on introduit chaque élément séquentiellement dans le modèle. Là, non, on prend tout en même temps. Et d'où l'avantage du transformer. Pourquoi il a vraiment eu cette grande réussite? Pourquoi? Parce qu'on peut paralléliser beaucoup de choses. C'est-à-dire, je peux calculer en même temps la représentation contextuelle de l'élément 1, en même temps que la représentation contextuelle de l'élément 2, etc. Donc, je peux lancer en parallèle les calculs. Et ça, ce qu'ils aiment dans les comptes Google, Facebook, etc. Et ça fait partie des avantages du big data. On peut paralléliser les tâches. Et quand on paralyse les tâches, on arrive à avoir des gains et de performances de calcul qui sont très importants. Donc, c'est ça le rôle. Et je ferme la parenthèse sur le position embedding. Donc là, une fois que j'ajoute ça, donc je vais avoir un autre vecteur. Et une fois que ce vecteur-là, qu'est-ce qu'on le rajoute? On le rajoute de la même manière que ce qui a été proposé dans BERT. Donc, ils ont rattaché au début un token qui est là. Voilà. Donc là, j'ai la représentation avec la position, la représentation avec la position, la représentation avec la position. On rajoute tout au début un token, ce qu'on appelle un class embedding, et qui est également apprenable. Alors, le rôle de ce class embedding, il va contenir l'essentiel de l'information sur le label de l'image, puisqu'on est dans une perspective de classification. Donc, ce token-là qui va être rajouté là, qui est le class embedding, il est rajouté. Finalement, il va être calculé en fonction des différents patchs, parce qu'on va lui appliquer également le self-attention, comme ce qui va être fait pour le patch. Donc finalement, au fur et à mesure, dans les différentes couches de mon self-attention et de mon transformer, il va essayer d'apprendre des différents patchs jusqu'à ce qu'on arrive à l'extérieur de mon patch. Et après, une fois que les éléments ils passent dans le transformer, voilà, il va y avoir... le vecteur contextualisé de la classe, le vecteur contextualisé de patch 1, le vecteur contextualisé de patch 2, du patch 9, mais d'après les auteurs, c'est-à-dire ils prennent uniquement le vecteur contextualisé de la classe embedding qui est là, et ils vont le faire un plug avec une tête MLP, c'est-à-dire un réseau de neurones feed-forward avec pour donner la classification. Donc, c'est pratiquement quelque chose de très simple ce qu'on fait lorsqu'on essaie de faire de la classification avec un réseau de neurones normal. Voilà, donc je récapitule. Le rôle du VIT, c'est ça l'approche principale qui est là. Donc on prend l'image, on la partitionne, on crée des patchs,
En fait, on aplatit les patchs vers des vecteurs. Ces vecteurs-là, on va les projeter linéairement. Et puis, on rajoute la position, on rajoute le class embedding tout au début, et on fait rentrer tous ces vecteurs-là, les différents patchs, à l'intérieur du transformer. Le transformer, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va faire beaucoup de calculs d'interaction entre ces différents vecteurs pour arriver à l'extérieur une représentation contextuelle qui prend, qui fait attention, qui agrège l'information des autres patchs. Et on prend le premier patch de class encoding et on le greffe dans un MLP, dans un réseau feed-forward, et on aura la classification qui est derrière. Ben finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, le transformer, il a été utilisé tel qu'il est. Il n'y a vraiment pas eu de modification à l'intérieur du moteur transformer. Il y a eu juste de la modification pour comment je prépare mon dataset d'image pour qu'il puisse être absorbé dans transformer. Ce qui a été proposé également, c'est vrai, là, mais si par exemple, ça, ils ont travaillé avec trois datasets, ce qu'on va voir tout à l'heure, mais si j'ai par exemple mon propre dataset, je vais utiliser le Variety. Et d'ailleurs, je vous recommande de voir, par exemple, Hugging Face propose beaucoup de Variety pour lesquels on peut faire du fine-tuning. C'est-à-dire, j'ai mon propre dataset, je voudrais créer mon propre Variety pour ma classe de ma classification, je sais pas, de tissu urbain, de healthcare ou autre chose. Alors là, qu'est-ce qui reste à faire? On prend la même architecture, on va juste modifier le MLP en l'adaptant pour avoir un défaut cas, sachant que le cas est le nombre de classes. Si par exemple, j'ai au final trois classes, donc le cas ça va être D. Le D qui est, si vous vous rappelez bien, c'était le size, le hidden size à l'intérieur de transformer, c'est le D, c'est le fameux 768, fois, alors fois, quoi, c'est quoi, le cas, c'est exactement le nombre de classes que je vais avoir. Eux, ils ont travaillé avec plusieurs classes, plusieurs datasets, on va essayer de le présenter là. Alors, il y a plusieurs variantes dans le VIT, tel qu'il a été proposé, que vous allez peut-être entendre dorénavant. Donc, il y a VIT Base, c'est la version de base. Alors, c'est exactement la même chose qui a été proposée pour l'NLP. Alors, le VAT Base, alors, qui compose 12 fois ce module-là, 12 fois ce module-là. Le Hidden Size, c'est 768. La taille du MLP qui est à l'extérieur, donc c'est 372. Le nombre de têtes d'attention, comme on a dit, donc je cherche à représenter, mais avec plusieurs têtes d'attention, donc il va y avoir 12, et le nombre de paramètres, c'est 68. La deuxième variante, c'est large, donc là, on utilise beaucoup de layers, c'est 24 layers. Le hidden size, c'est celui-là, etc. Le huge, qui est le plus important, là, à ce moment-là, on va utiliser 32 empilements, 32 stacks du transformer. Le hidden size, donc, c'est le plus important, et le nombre de paramètres également, il est le plus important, c'est 632 millions de paramètres qui ont été calculés pour le huge. Alors, il va y avoir toujours à côté de ces modèles-là, slash quelque chose. Alors, quand on voit par exemple le VITL16, ça veut dire que j'utilise le large, VIT large, avec un patch qui a un size de 16 x 16. 16 x 16. Je peux avoir 14 x 14, comme je peux avoir 32 x 32. Donc, il y a trois variantes qui ont été utilisées là. Pour les datasets, alors c'est ça qui est important. Il me reste un peu de temps, Iman. Professeur Hussi, si vous pouvez terminer dans 5 minutes pour laisser un peu de temps pour la session questions-réponses. Merci. D'accord. Alors, ils ont travaillé avec trois datasets. Donc, ImageNet, c'est le fameux ImageNet, avec 1000 classes et 1,3 million d'images. On va voir pourquoi celle-ci n'a pas été suffisante. ImageNet, 21 000, donc c'est 21 000 classes. Et 14 millions d'images. Le GFT, qui est une base de données images qui est une base de données images qui est propriétaire, qui est fermée, qu'on ne peut pas accéder, et qui contient 18 000 classes et 303 millions d'images. Pour les fine tuning, donc, ils ont utilisé ces datasets-là. Alors, je vais essayer de faire assez rapidement. Alors, ils ont comparé les résultats de Vision, de VIT, avec le state. Avec les states of the arts
à la fois avec les images nettes, avec la base image nette. Alors, pour image nette, jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, le state of the art, c'était Nosy Student, c'est efficient net. Et pour les autres datasets, qui sont imagerie, CIFAR, etc., c'est le ITL. Alors, qu'est-ce qu'ils ont montré? Que pour ImageNet, il y a une amélioration de la précision. Et pour les autres datasets, il y a également une nette amélioration par rapport aux précisions. Alors, une nette amélioration qui est accompagnée par moins de calculs. Parce que remarquez là que pour le ITL et le noisy, donc pour le temps de calcul, c'est calculé en TPU. Donc j'ai 12.3K TPU, 9.9K TPU. Alors que pour lorsqu'on utilise le transformer dans sa version BITH14, on utilise uniquement 2.5K, ce qui est vraiment très intéressant. C'est-à-dire, on va utiliser, c'est vrai, beaucoup de données. C'est ça un peu l'inconvénient du transformer, mais on va utiliser moins de ressources de calcul, moins de TPU par rapport à ça. Donc, il y a vraiment un gain important sur le temps de calcul. La deuxième remarque, c'est que pour que ça marche, comme j'ai dit, il faudra avoir beaucoup, beaucoup de données. Alors, on voit quand on entraîne le transformer sur ImageNet, on trouve toujours qu'on prend le ITIS derrière, une variante du ResNet, il est toujours supérieur dans l'accuracy. Donc, il est là. Donc, quand on entraîne sur ImageNet 21K, on a toujours le ResNet qui est toujours important. Mais quand on commence à entraîner le modèle VIT sur le GFT 300 millions d'images, c'est à partir de ce moment-là, il va y avoir une meilleure précision. Alors, ça veut dire que la taille du pre-training dataset semble jouer un rôle majeur dans le modèle VIT. Et on peut remarquer également que le VIT se généralise très mal avec les images nettes. Alors, parmi les explications qui ont été dites, c'est qu'il n'arrive pas à récupérer l'absence de biais inductif, comme on a dit, une recherche d'informations locales qui est possible avec le CNN et qu'il n'arrive pas à le faire lorsque le dataset d'entraînement est trop petit. Alors, deuxième remarque rapide, un peu d'interprétabilité, si on peut dire. Alors, lorsqu'on essaie de, par exemple, de classifier des images en input, donc on pose par exemple des inputs là, et on visualise la matrice d'attention, c'est-à-dire sur quoi le modèle VIT s'est basé pour, par exemple, classifier comme quoi dans cette image il y a un chien, on voit très très bien comme quoi il focalise sur la partie qui nous intéresse. Il intègre l'information qui est la plus pertinente pour la classification. On regarde ici pour le dog, pour le chien, pour l'avion et pour celui-là. Deuxième remarque, c'est quand on arrive à visualiser ce qui vient dans les filtres qui sont appris dans la première couche, c'est-à-dire avant d'arriver vers le transformer. Donc, on a dit qu'on apprend le embedding qui est au départ. On trouve qu'on voit Il présente de la même manière, je ne sais pas s'il y en a parmi l'assistance qui ont déjà regardé un petit peu les filtres de réseaux de convolution, on trouve finalement qu'il y a une certaine ressemblance qui est frappante par rapport aux filtres qui sont appris dans les réseaux de convolution. Donc, on a des filtres horizontaux, des filtres verticaux, diagonales, etc., etc. Donc, finalement, il y a une certaine similitude par rapport à ça. Et pour les têtes d'attention, je vais terminer là-dessus. Ce graphique-là, qu'est-ce qu'il nous permet de montrer? Ça, c'est les différentes couches de mon transformer. Donc, on a dit qu'il va y avoir plusieurs couches. Et on va montrer les différentes têtes d'attention. Les têtes d'attention dans la couche 1, les têtes d'attention dans la couche 2, dans la couche 3, jusqu'à la dernière couche, c'est-à-dire les couches profondes de mon transformer. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que les différentes têtes d'attention, finalement, ils apprennent l'information localement comme globalement dans les premières couches de mon transformer, mais plus on avance en profondeur, plus il apprend d'une manière uniquement globale. C'est-à-dire, pour calculer le vecteur patch de départ, par exemple, il va prendre
tenir compte de l'information, il va agréger l'information autour de lui, donc c'est pour ça qu'on parle d'une attention locale, mais en même temps, il va croiser l'information qui est très loin dans l'image. Donc, on dit qu'il intègre l'information à la fois localement et globalement. Mais dans les couches qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire les plus profondes, dans les dernières couches, par exemple, on a remarqué qu'en quoi il y a uniquement une intégration de l'information au niveau global. Il me reste beaucoup de choses, mais peut-être je vais arrêter. S'il y a des questions par rapport à l'interprétabilité, qu'est-ce qui se passe derrière ? J'aurai le temps de présenter des graphiques qui sont assez intéressants pour montrer qu'est-ce qui est le plus intéressant, comment le VIT il arrive à surpasser les CNN. Donc, il y a le fameux article qui est arrivé, qui montre des choses assez intéressantes, mais puisque je pense que j'ai déjà dépassé le temps, je laisse la parole s'il y a peut-être d'autres questions. Sinon, je reviens vers cette partie-là. Donc, à toi la parole, Lina. Merci, Monsieur Haji, pour la présentation très captivante et intéressante. Donc, on a une première question de Rouen. Donc, quand les capsules net développées par l'équipe de Geoffrey Hinton ont apparu, les gens ont aussi dit que ça sera la fin des ConvNet. Pensez-vous que les VIT vont marquer leur place ou bien qu'ils vont coexister avec les ConvNet? C'est ce que j'ai dit, parce que j'étais très prudent au départ, comme quoi... Il y a beaucoup de gens qui disaient comme quoi c'est vraiment l'avenir, etc. Mais finalement, on est vraiment très, très, très surpris par la rapidité de changement de paradigme. Parce que, comme j'ai dit au départ, en IDABA X, si on pouvait dire, s'il y a quelqu'un qui disait qu'on pouvait faire de computer vision en utilisant les techniques de deep learning, en laissant de côté les convolutions, personne ne croyait. Donc, il y a eu le vision, le VIT. Mais finalement, même en rentrant dans le VIT, on a montré qu'en quoi il souffre de certains problèmes, notamment en termes de complexité, parce que pour tous les transformeurs, il y a cette complexité qui est quadratique, qui est relative par rapport à la taille de l'input. Et il y a eu beaucoup d'améliorations, notamment, je conseille les gens qui sont intéressés de voir ce qui se passe du côté de Swin Transformer, qui est une adaptation de Vision Transformer. Et au lieu de croiser l'information à la fois localement et dans la totalité de l'image, ils ont créé ce qu'on appelle des fenêtres, des windows, c'est pour ça qu'on parle de SWIN, de Shifted Window, des fenêtres d'attention, comme quoi on va calculer uniquement l'attention sur ces fenêtres-là, et du coup on va réduire le temps de calcul et la complexité de ça. Mais je suis vraiment très d'accord par rapport avec ce que dit Serdouane, parce que même le VIT, comme j'ai dit, il y a dernièrement, ça fait même pas 2-3 mois, il y a eu le MLP Mixer qui, uniquement en combinant d'une manière plus ou moins différente et intelligente les MLP, on arrive à vraiment avoir des state of the art precision pour le computer vision. Donc je m'interdis de dire qu'en quoi ça va remplacer, parce que ça va d'une manière assez rapide. Pourquoi ? Parce que finalement, surtout pour les grands qui sont Google, Facebook, etc., ils ont les capacités de calcul, donc ils peuvent tester beaucoup de recettes. Et parfois, on teste, ça donne des choses, et c'est après qu'on cherche à interpréter pourquoi ça a marché, pourquoi ça remplace. Bah, c'est vrai que pour le Vision Transformer, c'est uniquement dernièrement, on regarde exactement ce qui se passe à l'intérieur. On commence à comprendre comme quoi la représentation qui est à l'intérieur du VIT, peut-être elle est vraiment très différente par rapport à ce qui existe dans les réseaux de convolution. Les features qui sont apprises dans les VIT sont vraiment très différentes de ce qui est appris comme feature dans les ResNet, etc. C'est ça d'ailleurs le rôle de ce papier de Vision Transformancy Line Convolution Network, mais je m'interdis de dire pourquoi ça remplace. Je suis d'accord avec ces bon. D'accord, alors merci. Il y a une deuxième question. How to include temporal dimension in VITs? Is there something similar to Conv LSTM? I didn't see any work that integrates temporal dimension in VIT, but as much as I know, je suis en train de chercher.
J'ai vu des travaux qui étaient d'appliquer les transformeurs sur les séries temporelles, toutes seules. Et il y a des travaux qui sont assez intéressants qu'on commence à tester, donc quelques travaux ici avec les doctorants, mais une combinaison également entre le time series et je pense par exemple aux séries spatio-temporelles pour les imageries satellitaires qui sont vraiment très intéressantes. Je n'ai pas vu, mais peut-être il y a beaucoup de gens qui commencent à tester ces recettes-là de Vision Transformer pour les appliquer avec d'autres types de données, mais à ma connaissance, non. Mais ça n'empêche pas de dire qu'on croyait peut-être qu'il y a d'autres travaux. Alors, on a une troisième question de la part de Nouhaïla. Elle dit que c'est une présentation très détaillée. Merci beaucoup. J'ai une petite question concernant la classe Embedding. Est-ce que c'est le one-hot encoding de classe qu'on doit prédire? Si c'est le cas pendant la partie inférence, on utilise quoi? Non, ce n'est pas one-hot encoding, c'est un vecteur. C'est un vecteur qui va être rajouté. C'est un vecteur qui va être rajouté ici, voilà, qui va être rajouté. Et son rôle, c'est quoi? C'est il va dans les différentes couches de mon transformer. Il va s'alimenter, il va s'enrichir en croisant l'information des différents patchs. C'est-à-dire à chaque fois, dans les différentes couches, il va y avoir un peu d'information qui va venir du patch 1, deuxième patch, troisième patch, et on va l'enrichir au fur et à mesure dans les différentes couches de mon transformer. Et du coup, on aura besoin uniquement de lui pour le greffer à le MLP Heat pour la classification. Et on met même pour les autres représentations de patch, pour la tâche de classification, ils ne sont pas utilisés. On prend uniquement la classe Embedding qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, là, qui est apprenable. C'est-à-dire, on l'apprend. Donc, on l'apprend de la même manière qu'on apprend la projection linéaire, de la même manière qu'on apprend le Position Embedding, etc. Et normalement, c'est de la même manière que ça a été proposé dans BERT. Donc, c'est un vecteur qui est proposé et qui a une dimension de D à l'intérieur. D'accord. Donc, si on a le temps, on prend quand même une dernière question de la part de Hamza. Est-ce que les performers peuvent donner de bonnes accuracy? Surtout, on va bénéficier dans la réduction au niveau de temps d'inférence. C'est pas le temps d'inférence qui est important, c'est la data. C'est la data qui est importante. Parce que si, comme j'ai pas, je ne sais pas si vous m'intéressez, je vais te laisser après. Je sais que j'ai débordé. D'accord. C'est Erdogan, il va dire oui. C'est juste pour le dernier papier qui vient d'être 19 août 2021. Il contient vraiment une mine d'informations. C'est-à-dire qu'il explique vraiment ce qui se passe derrière le rideau dans le Vision Transformer et il essaie de croiser ce qui a pris à l'intérieur. Alors, ces 3 minutes, je vais essayer de donner juste les remarques principales. Donc, avec un mécanisme de calcul de similarité, quand on essaie, par exemple, ils ont créé pas mal de heatmaps dans le papier. Donc, par exemple, j'ai ici des représentations des différentes couches. La représentation qui est, c'est comme le feature map, mais ce n'est pas du feature map, c'est-à-dire ce qu'il apprend. Alors, on voit comme quoi dans le VIT, il y a une certaine ressemblance, c'est-à-dire entre la couche qui a été apprise, la représentation de la première couche qui a été apprise, elle est pratiquement similaire jusqu'à la dernière couche de mon transformer. Ce qui est différent par rapport à ResNet. Parce que dans le ResNet, on retrouve comme quoi il y a une partie qui est similaire, mais pour les couches qui sont profondes, tout ce qu'apprend le modèle, il est vraiment très différent. Donc, on peut déjà comprendre les remarques comme quoi il y a une similitude qui est beaucoup plus faible que le ResNet entre les couches intérieures et les couches supérieures. On peut voir ça comme quoi on dit que le filtre qui apprend uniquement localement une espèce de ResNet, alors que pour le VIT, la représentation, il apprend à la fois d'un point de vue local et global. Deuxième chose, lorsque je compare la représentation du ResNet et ce que apprend le VIT, on trouve que tout ce qu'a appris le ResNet jusqu'à la couche 80, de 0 jusqu'à 80, finalement, le VIT l'apprend uniquement dans les 40 premières couches. Donc, tout ce qui est connaissance et knowledge qui est apprise, le VIT l'apprend rapidement. Il apprend rapidement. Et entre les couches supérieures, c'est-à-dire entre 80
et 120, voilà, donc cette partie-là, l'information qui est apprise dans le ResNet, elle est finalement rapidement encodée entre 40, la couche 40 et la couche 80. Donc, du coup, le VIT, il apprend vraiment assez rapidement par rapport à ce qu'il apprend, et l'information qui est encodée dans les couches supérieures, elle ne ressemble pas par rapport à ce qu'apprend le ResNet. Pourquoi ? Parce qu'il y a des considérations comme quoi, à partir de là, on apprend d'une manière assez globale. La dernière élément, c'est que principalement, je réponds finalement, je vais laisser les slides par la suite pour partage, mais c'est juste que c'est la grande taille qui nous permet dans le VIT d'atteindre cette précision. Et ce n'est pas comme quoi il apprend assez rapidement. C'est à partir de 100 millions de données, à partir de 100 millions de données, on arrive à avoir une précision équivalente entre le ResNet et le VIT. Entre 100 et 300 millions, le VIT, il continue à s'améliorer dans l'apprentissage et le ResNet, il se stabilise. C'est-à-dire, au-delà de 100 millions, il se stabilise, il n'apprend rien du tout. C'est-à-dire, je peux me limiter uniquement à 100 millions et au-delà de 300, donc là, il continue toujours le VIT. Donc, c'est comme s'il se rachète ce défaut de biais inductif qu'il n'avait pas et qu'il essaie d'apprendre avec le mécanisme d'attention qui est vraiment très, très important par rapport à lui. Et dernière chose, c'est juste pour... on a testé ce VIT dans la segmentation sémantique. Donc là, on a utilisé... Je m'attendais à des questions par rapport... on a montré uniquement la classification, mais il y avait également la segmentation. D'autres tâches de computer vision comme la segmentation sémantique. Sur deux travaux sur lesquels on travaille actuellement, on a utilisé le TransUNET et Dual Screen Transforming Universe, qui sont des adaptations de ce qui existait pour la segmentation sémantique, et le fameux UNET. Donc, il y a des architectures qui greffent le transformer avec l'UNET pour utiliser cette richesse qui est dans le transformer. On l'a utilisé pour la détection des aircraft drones, par exemple, pour détecter les défauts dans les avions. Et finalement, on arrive à avoir vraiment des résultats qui sont très meilleurs dans le TransUNET, pas uniquement, pas en entraînant le modèle sur un ensemble de données, mais ça fait que du fine-tuning sur notre propre base, et ça donne vraiment de très, très bons résultats. On l'a utilisé pour le Detecting Aircraft Dance et pour le Building Footprint Segmentation. Donc, ça nous donne vraiment de très bons résultats par rapport aux architectures de base qui sont l'UNET et l'Attention UNET. Voilà. Merci, Iman, et désolé pour d'avoir débordé sur le temps. Merci énormément, Sihji. Donc, maintenant, on va passer au breakout session. Donc, je vais juste arrêter le live.